toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon libérateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon libérateur. Ah.
Seigneur, à part toi, il n'y a point de Dieu. À part toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu, Seigneur. Papa, c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Papa, sois élevé, sois magnifié, sois le Dieu de ma vie, Seigneur. Sois le Dieu de ma vie, Seigneur. Papa, mon âme te loue, mon âme t'adore. Mon âme t'exalte parce que tu es Dieu, le Dieu très saint, le Dieu puissant, l'admirable conseiller, c'est toi, Seigneur. L'étoile brillante du matin, c'est toi, Seigneur. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy
Gloire à toi, tu es le Dieu très saint, merveilleux bassin, glorieux bassin, sois exalté, sois magnifique, sois le Dieu. Gloire que sois tu es le Dieu qui rappelle, qui nous a délivré de nos péchés et de la domination du diable, qui a délivré notre Israël de la domination des pharaons en Égypte. Alléluia, nous sois rendu parce que nous avons la vérité et la vérité nous a franchi. Que toute la gloire et la gloire soient rendues à ton même nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Pas de silence devant le Seigneur parce qu'il est dans son Saint-Temps. Grand Dieu, plus haut des cieux, nous voulons te bénir ce matin, t'élever, parce que ta sainteté rentre ce lieu. Ta gloire domine ce lieu. Nous te célébrons et nous t'adorons. Éternel des âmes, nous nous réjouissons en toi, car ce matin, tu nous as rassemblés pour nous nourrir de ta parole. Ton peuple te dit, nous sommes à l'écoute, envoie ta parole et parle-nous ce matin. Corrige-nous, Seigneur. Édifie-nous. Montre-nous la voie à suivre. Et donne-nous la victoire à travers ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Éternel des âmes, je t'invite à prendre contrôle. Monte sur cette chair ce matin et parle à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Non pas moi. Non pas la chair et le sang, mais toi-même, Seigneur Dieu, je veux être ta bouche ce matin. Afin que par moi, Seigneur, je puisse communiquer ce que tu as dans ton cœur à ton peuple. Merci, mon Rédempteur, parce que je crois que tu m'exaucés. Que toute la gloire et la louange soient rendues à ton seul nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Vous asseoir que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la maison du Père ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Une chose dont nous sommes convaincus, c'est qu'il est présent parmi nous. Puisque sa parole nous assure que là où deux trois sont rassemblés à son nom, il est au milieu de nous. Il est là ce matin pour nous parler, il est là ce matin pour nous enseigner. Amen. C'est pourquoi nous devons bien ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs pour écouter et pour garder. Je vous présente ce matin le message qui a pour thème Jacob à Jabok. Jacob à Jabok. Alléluia. Amen. Jacob à Jabok. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous ne savez pas combien de Jabok laissé, vous allez trouver le programme tout à l'heure. Vous allez pouvoir écrire. C'est pourquoi, sans autre commentaire, lisons dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Je lis à partir du verset 22 jusqu'au verset 32. Jacob 32, Genèse 32 autant pour moi, verset 22 à 32. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et fit passer à tout ce qui lui et le fit passer, autant pour moi, à tout ce qui lui appartenait. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme
lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi s'il te plaît connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Je parle de Jacob à Jabok. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Et même si vous ne la connaissez pas, je vais vous la brosser ce matin pour que vous en ayez une idée. Jacob était dans la maison de son père avec son frère Esaü. Jusqu'au jour, il eut une crise qui devait le contraindre à l'exil. La crise était que Jacob a volé la bénédiction de son frère Esaü, son frère jumeau. Et vu la colère de son frère, il savait que rester encore dans la maison de son père, ça finirait par un drame. Les parents le savaient et l'ont encouragé à s'exiler auprès de son oncle Laban à Padan Aram, dans une autre ville très éloignée de là où habitait son père. Il a passé 20 ans à Padan Aram auprès de son oncle Laban. Le temps était venu pour lui pour qu'il rentre chez lui. Et sur le chemin de retour, il s'est retrouvé à cet endroit appelé Jabok, où il y avait un torrent. Plus il s'approchait de la patrie, plus la peur en lui montait. La terreur l'envahissait. Parce que le souvenir de sa faute, le souvenir de l'attitude de son frère envers lui, le rappelait ce qui, la colère de son frère et ce qui pouvait lui arriver à tout moment. À cet endroit, après avoir fait traverser le torrent à tout ce qui lui appartient, à ses deux femmes et à ses enfants, il était resté seul pendant la nuit. Et lorsqu'un homme reste seul pendant la nuit, ce n'est pas pour dormir. C'est pour chercher la face de Dieu. Alléluia. C'est pour prier. Alors Jacob était rentré dans la prière. Et c'est cette prière qui nous a présenté comme la lutte qu'un homme fit avec lui. C'est une véritable lutte où l'homme avec qui il luttait, la manière dont il a saisi l'homme, l'homme ne pouvait pas s'échapper. Le jour se levait, Jacob disait à l'homme, « Homme, je ne te laisserai pas partir. » L'homme a dit, « Laisse-moi partir. » Jacob disait, « Non, je ne te laisse pas partir. À moins que tu me bénisses. » Et l'homme lui a demandé, toi tu t'appelles comment? Il a dit, je m'appelle Jacob. L'homme a dit,
ce nom Jacob là, c'est ça ton problème. Parce que ce nom signifie tromperie. Ce nom signifie mensonge. Ce nom signifie malédiction. À partir d'aujourd'hui, je t'enlève ce nom et te donne le nom d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'appelles celui qui a lutté avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. De là, l'histoire de Jacob a changé. Et il pourrait rentrer dans sa patrie en toute sécurité et dans la paix. Merveilleux. Vous savez que, avant que Jacob ne rentre dans cette prière, il a fait beaucoup de tentatives selon sa sagesse humaine pour pouvoir rencontrer son frère. Mais ces tentatives ont toutes échoué. Parce que ces tentatives n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Ce n'était pas conforme au plan de Dieu. Jusqu'à ce qu'il ait compris que non, il devait s'arrêter, chercher la face de Dieu pour que Dieu intervienne dans cette affaire et lui donne une orientation à suivre. Et Dieu étant intervenu, lui a donné l'orientation. C'est pourquoi je vais vous parler de trois points rapidement. Trois points rapidement avant de prier. D'abord, les limites de la sagesse humaine. Les limites de la sagesse humaine. Vous devez comprendre que l'homme, quelle que soit sa sagesse, est limité. Ensuite, je vous parlerai de la lutte qui transforme l'homme et change les situations. La lutte qui transforme l'homme et change les situations. Il y a des luttes qu'on fait qui sont des luttes bénéfiques. Et quand tu sors de ce genre de lutte, ta vie est transformée et les situations négatives autour de toi sont changées. Et Jacob a fait cette lutte. Et sa vie a été, sa personne a été transformée et sa vie a changé. Enfin, je vous parlerai de la lumière induite par la prière persévérante. Dissipe la haine et la terreur. La prière induite, la lumière induite par la prière persévérante dissipe la haine et la terreur. C'est-à-dire que il a prié et cette prière a produit une lumière. Cette lumière qui a jailli a fait disparaître la haine de son frère et la terreur qui envahissait Jacob lui-même. La peur qu'il avait dans son cœur, dans ses poumons, à cause de son frère, cette peur a disparu. C'est de ça que je parlerai en troisième partie. Je reviens à la première partie intitulée Les limites de la sagesse humaine. Les limites de la sagesse humaine. Voyons Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Lisons à partir du verset 1. Suivez-moi attentivement. Genèse chapitre 32, à partir du verset 1. Jacob poursuit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoie devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Et leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Gloire à Dieu. Amen. Ouvrez bien vos oreilles. Selon la sagesse de Jacob, il faudrait faire quelque chose pour apaiser son frère. Malgré les 20 années qui les ont séparés, son frère gardait encore la colère contre lui.
qui ne s'est pas décoloré. Et Jacob aussi avait en souvenir sa faute. Il avait le souvenir de sa faute, il n'a pas oublié sa faute. Et il voyait l'image de la colère de son frère. Et il savait que le jour où son frère le trouverait, il le mettrait en pièces. Et Jacob, sur son chemin de retour, a initié une stratégie selon sa sagesse. La première stratégie est celle dont nous venons de lire. Il a envoyé une ambassade auprès de son frère pour lui livrer quel message? J'ai séjourné chez là-bas, j'y suis resté jusqu'à présent, j'ai des bœufs, j'ai des richesses, maintenant, bon, je reviens et j'envoie l'ambassade là t'informer de mon retour et de tous les biens que j'ai afin que je trouve grâce à tes yeux. Donc, il pensait pouvoir séduire son frère. Il pensait que son frère était aussi maudit qu'il ne possédait rien et que son frère dirait, ah, quand mon frère revient avec beaucoup de richesses, nous allons partager sa richesse, je vais lui demander de me donner une partie importante de sa richesse pour apaiser ma colère. C'est ce que j'ai encore à penser. Mais quand les messagers sont allés, la réponse qu'ils ont reçue, ok, puisqu'il est garçon, nous allons nous rencontrer. Et Jacob a armé 400 hommes de ses serviteurs pour aller attaquer, je dis Jacob, et Saül a armé 400 hommes de ses serviteurs pour aller attaquer Jacob. L'ambassade qu'il a envoyé a couru rapidement pour lui dire, hé, nous avons vu ton frère, mais il n'a pas reçu le message. Il vient contre toi avec 400 hommes. Peut-être les hommes qui étaient avec Jacob n'atteignaient pas les 400. Il a vu déjà que son armée était inférieure et qu'il n'avait peut-être même pas l'équipement nécessaire pour affronter les 400 hommes. Donc, son premier échec, l'échec de sa première stratégie, il a constaté et était devenu certain que cette stratégie n'a pas marché, il faudrait changer de stratégie. Il est allé à la deuxième stratégie. Voyons bien. Lisons Genèse chapitre 32. Voyons les versets 7 et 8. Là, nous verrons la deuxième stratégie. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les animaux. Et il dit, si Esaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Voilà sa deuxième stratégie. C'est de diviser le camp en deux. Les hommes, les animaux, d'un côté, des hommes et des animaux, de l'autre côté. Et il se disait, si mon frère venait m'affronter, qu'il rencontre ce premier camp et qu'il battait ce premier camp, alors le deuxième camp pourrait se sauver. Mais tout de suite, il se rendrait compte que cette stratégie ne pourra pas marcher. Ce n'est pas fécond. Lui-même s'est rendu compte que non, il ne pourrait pas se sauver. Avec 400 hommes, non. Le site pourrait se partager. Il dirait qu'un camp attaque le premier et qu'un autre camp aille attaquer le deuxième simultanément. Alors là, il était perdant sur toute la ligne. Il a compris ce deuxième échec. Il va continuer. Puisqu'il est sage et intelligent, il a dit, je vais mettre sur pied ma troisième stratégie. Il a élaboré cette troisième stratégie. Voyons du verset 9 au verset 12. Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, il m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec un bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main de Saül, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe. Car la mère, avec la mère et les enfants,
Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Voici sa troisième stratégie. Il a compris qu'il fallait prier. Mais il n'avait pas compris qu'il faudrait une prière intense. Il a fait une prière très légère, très superficielle. Cette prière est trop légère et trop superficielle pour apaiser la colère, ou bien pour obliger Dieu à tendre sa main pour saisir le cœur de Saül afin d'apaiser sa colère. Voilà certaines des erreurs que nous commettons souvent. Face à des situations où on devait se lever, se tenir debout, prendre autorité pour changer la situation, on fait des prières superficielles, des prières très légères. Vous savez, il y a quelqu'un ici qui pourra me le confirmer. Parce qu'il est paramilitaire. Alléluia. Il a fait la formation militaire. Lorsque les militaires vont en guerre, on considère la position et l'équipement de l'adversaire pour savoir quelle arme utiliser pour le battre. Mon frère, c'est ça, non? Alléluia. C'est confirmé. Lorsque la personne vient contre toi avec des armes lourdes et que toi tu vas avec des mitraillettes, tu es mort avant la guerre. Il y a des combats, lorsque tu veux les mener, il faut être équipé d'armes lourdes parce que l'ennemi aussi est lourdement armé. Mais Jacob ici va prendre des pistolets, des revolvers, de petites mitraillettes pour aller combattre quelqu'un qui vient contre lui avec des armes lourdes. Une aide de 20 ans qui est là. Il a arrosé, ça a poussé des racines. Cette prière superficielle ne peut pas déraciner cette haine de 20 ans. La prière est trop petite pour déraciner la haine là. La haine est beaucoup vieille. Alléluia. Amen. Et lui-même, il a compris que la prière que j'ai faite là, la prière là, c'est trop petit. Hein? C'est trop petit. Ah, j'ai eu l'opportunité, mais j'ai raté. Il devait penser autrement. Ah, il a réfléchi autrement. Il a dit, ah, face à l'échec de cette stratégie-là, il faut que je change. Mais permettez-moi de vous rappeler quelque chose. Toi, en tant que chrétien, Jésus-Christ nous a dit quelque chose dans Matthieu 11, verset 12. Tu as tenu compte de cela pour savoir combattre. Il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violente spirituellement, si tu n'es pas violent dans la prière, il y a des combats que tu ne pourras jamais remporter. Alléluia. Amen. Quand tu as fait des prières intellectuelles, oh Dieu tout puissant, comme tu vois, voilà la situation, tu as promis que le diable va te gifler. Je dis le diable va te gifler. Tu vas rester là, le problème va rester au point de toi. Il faut de la violence, ce n'est pas la violence physique, la violence spirituelle. Amen. Il faut connaître tes droits et en user en ce moment précis pour renverser ce qui doit être renversé. Alléluia. Amen. Pour briser ce qui doit être brisé, pour déraciner ce qui doit être déraciné. Amen. Le Seigneur a dit, je t'ai établi sur les nations, sur les royaumes. Afin que tu arraches et que tu abattes. Amen. Que tu détruises et que tu ruines. Amen. C'est ton pouvoir. Amen. Tu dois reconnaître ce pouvoir et en faire usage. Amen. Mais si malgré cela tu dis, Jésus, quand toi-même tu es enseigné à prier, tu as dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, le règne de Jésus va venir, tu vas rester là. Cette prière ne peut même pas faire fuir un petit moustique. Il faut que tu le saches. Maintenant, tu as des hommes armés, tu vois des démons géants, tu vas dire notre Père qui est aux cieux. Papa, tu perds ton temps. Tu es mort en guerre. Jacob a compris cela. Il a dit, ah, même la prière a échoué, Dieu n'a pas écouté. Il faut que j'aille à la quatrième stratégie.
C'est ça qu'est une stratégie. Suivez avec moi. Dis avec moi. À partir du verset 13. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits kids qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi, passez devant moi, passez devant moi. Et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Alléluia. Il donna cet ordre au premier. Quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où tu vas et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient. Pardon, à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Quand il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Je vais m'arrêter là. À ce niveau-ci, Jacob a tenté la corruption. Il voulait corrompre son frère. Il voulait acheter la conscience de son frère avec les présents. Parce que les présents apaisent la colère. Les cadeaux qui sont offerts en dessous là. Donc, il voudrait acheter la conscience de son frère en lui offrant tous ses cadeaux. Vous avez vu tous ses cadeaux, non? 200 brebis, 200 chèvres, 200 cela. Beaucoup de choses. Mais c'était de la richesse. Mais Jacob devait se désenchanter rapidement parce qu'il a compris que la colère a tellement de racines que même tout ça là ne fera rien, mon frère. Ce n'est qu'après avoir agi qu'il comprenait l'échec. Il ne voyait pas l'échec d'avance. Après avoir agi, il se disait non, 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 je ne suis pas convaincu, ça ne pourra pas marcher. Une voix lui paraît pour lui dire, Jacob, là aussi tu es échoué. Donc, quatre fois successives, il a échoué. Toutes les stratégies qu'il a élaborées sont passées à côté. C'est là qu'il comprendra que je dois faire quelque chose. Si j'ai essuyé quatre fois de suite des échecs, il faut que je change alors de stratégie. Mais il doit savoir quelque chose. Que lorsque les stratégies que tu vas utiliser ou les voies et moyens que tu voudras emprunter pour trouver une solution à une situation, ne répond pas à la volonté de Dieu, cela ne marchera jamais. Tout ce qu'il faisait jusqu'à présent, il s'est appuyé sur sa propre sagesse. Et rien n'a marché pour lui. Donc, notre sagesse ne résout pas tous les problèmes. Il faut que nous soyons aussi intelligents pour recourir à Dieu dans la prière. Lisons d'abord Proverbe chapitre 16, le verset. Proverbe chapitre 16, le verset 25. Verset 25. Il dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Amen. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Il a emprunté ses voies, quatre voies, qui n'ont abouti à rien. C'était des voies d'échec, des voies de confusion. Des voies de la mort. S'il empruntait ses voies, s'il devait suivre l'une de ses voies pour aller jusqu'au bout, pour aller rencontrer son frère, il devait mourir et aujourd'hui, on ne parlerait même pas de lui. Il a compris ça. Donc, lorsque tu empruntes une voie, demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que cette voie est ta volonté? Est-ce la voie que tu veux que j'emprunte?
Est-ce que le moyen que je prends là est le moyen que tu veux que j'emprunte? C'est la stratégie que tu veux que j'adopte à cette situation? Nous devons recourir à Dieu. Donc, il a compris, après le quatrième échec, la nécessité pour lui de chercher à connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Comment Dieu veut que je procède pour pouvoir gagner la faveur de mon frère? Parce que cette colère a trop vieilli. 20 ans de colère. Et mon frère n'a pas changé. Il savait là où j'étais. S'il avait changé, il devait un jour me rendre visite pour me saluer là-bas. Vu ce qu'il n'a jamais fait, c'est que la colère est encore là. Et il ne peut connaître la volonté de Dieu pour pouvoir déraciner une vieille colère de 20 ans. La haine, ça a trop duré. C'est ce qui nous conduit au deuxième point. La lutte qui transforme l'homme et change les situations. La lutte qui transforme l'homme et change les situations. Si tu ne fais pas cette lutte, dans ta vie, il n'y aura pas de transformation et tes situations ne connaîtront jamais de changement. Alléluia. Amen. Genèse 32. Je reviens dans Genèse 32. Je reprends à partir du verset 22. Il se leva la même nuit et prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Toute la nuit, Jacob ne s'est pas donné de repos, n'a pas fermé l'œil. Alors qu'il a marché sous le soleil accablant toute la journée pour arriver à ce lieu. Il s'est rendu compte que face à l'échec des quatre stratégies, il me faut absolument recourir à la prière. Et pour bien prier, il a jugé nécessaire et important, voire indispensable, de se séparer de tout ce qui était avec lui pour rester seul. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des moments dans ta vie où tu dois chercher à te retirer quelque part tout seul. Loin de tous les bruits. Loin de madame, loin de monsieur, loin des enfants, loin des activités quotidiennes. Afin de te concentrer dans la prière et parler à Dieu. C'est ce que Jacob a fait. Et il a fait la nuit. Comprenez à ce niveau aussi l'importance des prières nocturnes. Il n'a pas fait le jour. Il n'a pas dit, je suis fatigué, je vais dormir. Le lendemain, quand le jour va se lever, comme déjà, j'ai éloigné de moi toutes les personnes et tous les animaux qui sont avec moi, je pourrais le faire le jour. Non, mais il a dit, cette nuit, je ne me donne pas de sommeil. Je dois chercher à connaître la volonté de Dieu. Et il s'est lancé dans la prière. La prière peine commencée. Voici un homme qui se présente avec lui. L'homme le saisit et commence à lutter avec lui. Ah, quel est cet homme? Comme Jacob aussi était vigoureux, il dit, bon, si c'est la lutte, nous allons lutter. Alléluia. C'est cette lutte-là qu'on appelle la prière. C'était la prière de Jacob. Toute la nuit jusqu'à l'aurore. Maintenant, l'homme ne veut pas rester jusqu'à ce que le jour se lève. À l'aube, l'homme s'est tourné vers Jacob. Il s'est arrêté d'instant. Respirant. Laisse-moi partir. Jacob dit non, je ne te laisse pas partir. Parce que Jacob a compris que celui-là qui a lutté avec moi là, c'est pas un homme ordinaire, c'est pas un humain. Pour Jacob, c'était un ange. Il a dit, je ne te laisse pas partir à moins que tu ne m'aies béni. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà demandé la bénédiction de Dieu avec violence, avec force? Jacob l'a réclamé. Là où je t'attrape là, comme tu es dans mes mains comme ça là, moi je ne te laisse pas partir. Tu dois me bénir d'abord. Que tu ne le veux pas, tu dois me bénir. L'homme dit, ah ah, qui est celui-ci? Bon, dis-moi d'abord ton nom. Jacob est mon nom. Jacob. Tu ne seras plus Jacob. Mais avant cela,
L'homme a cherché à le déstabiliser. Malgré cela, Jacob s'accrochait encore à lui. Il a frappé où? À la voiture de la hanche, à l'articulation de la hanche. Et la hanche de Jacob s'était démis. Néanmoins, Jacob tenait ferme. Lorsque tu as mal à la hanche, il t'est difficile de tenir debout, de lutter, de soulever tes choses lourdes, de faire des efforts. Parce que l'équilibre de l'homme se trouve à ce niveau-là. Malgré cela, Jacob l'a attrapé pour lui dire « Non, tu ne pars pas, je ne te laisse pas partir. Il faut que tu me bénisses d'abord. » Et l'homme lui a demandé « Quel est ton nom ?» Il a dit « Je m'appelle Jacob. » Disons. À partir du verset 5. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la voiture de la hanche. Et la voiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, lève-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu me mets béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Ah, Jacob. L'homme a compris. Jacob. Ok. Tu as supplanté déjà ton frère parce que tu t'appelles Jacob. Tu l'as supplanté, tu lui as arraché, tu lui as volé le droit d'aînesse. Ah. Et la deuxième fois, tu t'es présenté avec Ruth auprès de votre père pour voler sa bénédiction. Ce nom Jacob est très mauvais. C'est la malédiction. C'est la tricherie, c'est la tromperie, c'est le mensonge. Je dois te changer de nom. Il faut que je te baptise d'un nouveau nom. Alléluia. Amen. Et il a baptisé Jacob en lui donnant le nom d'Israël. Alléluia. Amen. Verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob a dit, bénis-moi d'abord. Tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. La malédiction a été enlevée, la bénédiction lui a été donnée. À travers le nouveau nom qu'il porte, Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Alléluia. Amen. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et mon âme a été sauvée. Il s'est produit des miracles dans la vie de Jacob. D'abord, la transformation que lui-même il a reçue. Cette malédiction qui traînait depuis la maison paternelle a été ôtée. Amen. Alléluia. Sa vie a été transformée. Et son âme a été sauvée. Il a été sauvé pour la vie. Alléluia. Amen. Et Jacob pouvait maintenant avancer. Il pouvait maintenant continuer sa route. Bien-aimé, Jacob devait son salut, sa délivrance à la prière. Je voudrais que nous comprenions ce matin que cette année, tu veux marcher, tu veux évoluer, tu as besoin de la prière. Amen. Tu dois prier farouchement. Ce n'est pas cette prière minuscule-là. Les prières que tu as faites en 2023, là, considère-les comme tu n'avais rien fait. Amen. Alléluia. Dis-toi qu'en 2022, tu n'avais pas prié, mais en 2023, je vais prier. Alléluia. Amen. Cette année, c'est l'année de la prière. Amen. La parole de Dieu déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17. Priez sans cesse. Cette phrase de trois mots. Mémorisez-la. Gardez-la. Appliquez-la. Priez sans cesse. Jacob a prié sans cesse toute la nuit, jusqu'à l'aube. Il a prié sans interruption toute la nuit. Et il a reçu la bénédiction. Son nom a été changé.
La malédiction qui était sur lui a été enlevée. La gloire et la victoire lui ont été données. Tu veux la victoire, tu veux la gloire, tu veux l'élévation, tu veux l'avancement, bien-aimé, c'est la prière. Ce n'est pas dans tes stratégies humaines. Nous avons vu que les quatre stratégies que Jacob a élaborées ont toutes échoué. Mais il a compris quelque chose, la prière. Il avait même prié, mais pas une prière aussi profonde que la deuxième prière. Sans la vie de prière, tu ne peux rien réaliser. Sans la vie de prière, tu vas demeurer dans ta misère. Sans la vie de prière, tu vas rester sur place. Sans la vie de prière, tu ne pourras pas évoluer. Tu dois prier. Tu dois apprendre à prier. Tu dois connaître à prier. Ne sois plus celui-là qui mange et qui dort. Hein? La nuit, tu changes, tu changes, tu changes. Quand tu vas au lit, tu tournes le ventre vers le plafond. Et tu es là. Même le caterpillar a menti. Ce n'est plus ça cette année, bien-aimé. Tu dors un peu, tu te réveilles, tu pries. Alléluia. Amen. Tu dois prier. Prier et prier. Prier et reprier. Prier sans cesse. Alléluia. Amen. Prier sans cesse. Et quand tu veux prier sans cesse pour que ta prière soit exaucée, il faut que tu sois juste. Parce que Jacques 5, verset 7 déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque tu es juste devant Dieu, devant les hommes et que tu pries, Dieu t'écoute. Ta prière est efficace et accomplit ce que tu désires. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes présents? Amen. Je parle seulement de la prière. Je ne parle pas de jeûne. Hein? Parce que là, Jacob n'a pas, on ne t'a pas dit que Jacob a jeûné. Il a prié toute la nuit. Hein? Je ne parle pas de jeûne parce qu'il y en a quand on parle de jeûne. Dès que tu prends jeûne là, les boyaux commencent à se... Vous comprenez, non? Je ne parle pas de jeûne, je parle de prière seulement. Tu peux t'asseoir bavarder, bavarder pendant 2 heures, mais tu ne peux pas prier pendant 30 minutes. Hein? Tu t'assois, tu bavardes, tu bavardes, tu bavardes. Pendant 2 heures, mais 30 minutes de prière, tu es capable. Il faut que ça change cette année. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu viens à l'église, quand on lance la prière là, tu es concentré, les yeux bien fermés. Amen. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Il n'y a plus la paresse dans la prière en cette année. Amen. Parce que nous comprenons que la prière change les situations. Amen. La prière change les circonstances. Amen. Et nous devons prier. Jacob a prié. Le miracle s'est produit dans sa vie. Dieu ne veut pas que son peuple soit passif. Dieu ne veut pas que nous soyons passifs. Mais il nous veut des chercheurs sérieux, c'est-à-dire des gens qui le cherchent de façon sérieuse, des gens qui désirent sa bénédiction de façon sérieuse. Amen. Tu veux la bénédiction de Dieu, il faut que tu sois sérieux. Il faut que tu t'organises. Il faut que tu puisses prier. Voyons quelques passages pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Matthieu chapitre 5, le verset 6 dit, Matthieu 5, verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Amen. Tu dois avoir faim et soif de la justice. Cette justice qui va te conduire dans la prière, pour que tes prières te procurent la nourriture. Parce qu'on dit, car ils seront rassasiés. Rassasiés de bénédiction. Rassasiés de grâce. Rassasiés de faveur. Rassasiés de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu, le chapitre 7, versets 7 à 8. 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Il dit demander, prier, chercher, frapper. À celui qui demande, on donne. À celui qui frappe, on ouvre. Et celui qui cherche, tu ouvres. Mais si tu es là, la bouche cousue, tu ne fais rien, qu'est-ce que tu pourras obtenir? Tu peux te plaindre. Ah, mon problème là, je ne comprends rien. Et depuis là, c'est comme ça. J'ai tout fait. J'ai vu tel pour m'aider. Il a promis, mais il n'a pas réalisé. J'ai vu l'autre pour m'aider. Il a promis, il n'a pas réalisé. J'ai vu l'autre. Tu n'as pas libéré ton âme de la captivité. C'est pour cela que quand tu vas voir les gens te promettent, mais ils ne réalisent jamais parce que ton âme n'est pas d'accord que tu sois aidé. Ton âme veut que tu souffres. Ça, la plusieurs ne le savent pas. Il faut que tu saches que ton âme est ton ennemi. Ton âme a des désirs qui sont contraires à toi-même. Lorsque quelqu'un te prend par exemple 10 000 francs, tu arrives auprès de la personne, tu prends les 10 000 francs, c'est 1 000 francs que la personne te donne, et puis dit, je suis désolé, hein, tu avais promis 10 000 francs, mais moi-même je comptais sur quelque chose, et je n'ai pas pu obtenir cela, mais pourquoi je ne peux pas te le, puisque je ne peux pas te laisser comme ça, tiens 1 000 francs, tu vas te débrouiller avec. Ton problème que tu as là, est-ce que c'est un problème de 1 000 francs? Tu as promis de 10 000 francs, tu as demandé 10 000, on t'a promis les 10 000, tu as on te donne 1000 francs. Comprends que ton âme ne veut pas que tu sois sorti de cette situation. Et tu dois prier pour la délivrance de ton âme. Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et mon âme a été sauvée. Si ton âme n'est pas sauvée, si ton âme n'est pas délivrée, tu resteras là avec tes problèmes. Les promesses n'aboutiront jamais. Alléluia. Ils savent que vous n'êtes pas présent. Je dis alléluia. Amen. Le Seigneur vous aidera. Amen. C'est l'année de la prière. Amen. Nous sommes au 15e jour de cette année-là. Hein? Nous sommes à la moitié du premier mois. Donc nous sommes au début de l'année et nous devons apprendre cela. C'est le moment de l'apprendre, de le savoir. Que cette année, nous devons évoluer. Amen. Nous n'allons plus rester sur place. Amen. Nous allons grandir. Et c'est par la prière que nous parviendrons à l'élévation. Amen. 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 Luc chapitre 11. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons passifs, mais il veut que nous soyons sérieux à le rechercher. Et alors, ce que nous désirons, nous l'obtiendrons. Luc chapitre 11, versets 5 à 10. Il leur dit encore, si quelqu'un de vous un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis. Même s'il ne se lèverait, même s'il ne se levait pas pour lui donner. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je reprends. Je vous le dis. Même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. 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 Voilà ce que nous dit la parole. La parole est claire. L'ami là est arrivé. Parce qu'il a reçu un étranger au milieu de la nuit. Et lui-même n'avait rien. Il se présente à la porte de son ami. Il frappe. L'ami dit, mes enfants, moi, nous sommes déjà allés, nous dormons. Il ne faut pas perturber notre sommeil. Retourne chez toi. Mais l'ami, elle a dit, ami, il n'y a que toi qui puisse m'enlever la honte là.
Il a marché toute la journée jusqu'à arriver chez moi la nuit, il a faim. Je dois lui trouver quelque chose à manger, sinon, il pouvait tomber à 50 au milieu de la nuit, il pourrait faire l'hypoglycémie. Trouve-moi un morceau de pain, je sais que tu en as. Ami, tu me déranges, nous sommes déjà au lit, Ami, il n'y a que toi qui puisses m'aider. Il persiste. L'ami dit, il faut que je lui donne le père, sinon je vais passer mauvaise vie. Non pas parce que c'était son ami, mais parce que il le dérangeait. De la même manière, lorsque tu as un problème, mon frère, écoute bien. Jacob a fait une première prière. Cette prière a échoué. Il a compris qu'il doit prier davantage. Tu pries aujourd'hui, il n'y a pas la solution. N'abandonne pas, n'oublie pas le problème. Continue jusqu'à ce que tu obtiennes la solution. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'après avoir obtenu la réponse à cette prière que tu pourras arrêter. Mais il y en a des situations, ils prient, puis ils oublient même le problème. Ils oublient, ils sont habitués au problème. Ils oublient, ils continuent leur chemin. Ils prennent ce sujet, ils prient, il n'y a pas de solution, ils laissent. Ils continuent la route. Et quand tu regardes derrière toi, il y a toute une pile de problèmes. Amen. Donc toi, ta vie est pas seulement de problèmes. Ta vie, il n'y a que de problèmes. Il n'y a jamais de réponse, il n'y a jamais de solution. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas le sourire. Pour que ça change cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous devons prier, nous devons persévérer dans la prière, comme Jacob a persévéré. Prier sans cesse. Il est nécessaire que nous passions des nuits, des moments à prier seul, à rechercher la face de Dieu. Lève-toi au milieu de la nuit. Prie pendant que tout est calme, pendant que les autres dorment. Le Seigneur te parlera. Jacob a compris cette expérience. Il a fait et cela a marché pour lui. Troisième point, la lumière induite par la prière persévérante dissipe la haine et la terreur. La lumière induite par la prière persévérante dissipe la haine et la terreur. C'est-à-dire que la lumière produite par la prière persévérante, cette lumière dissipe, cette lumière fait disparaître la haine et la terreur. Nous sommes dans Genèse 32, au verset 24. Genèse, chapitre 32, le verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyez sa prière. Maintenant, allons au chapitre 33. Chapitre 33, du verset 1 au verset 7. Vous pourrez lire jusqu'au verset 16. Vous pourrez lire ça après. Mais je m'arrête seulement au verset 5. Jacob leva les yeux. Je suis dans le chapitre 33, à partir du verset 1. Jacob leva les yeux, regarda, et voici Esaü arrivé avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Vous voyez, il venait de prier. Et Dieu lui a dit ce qu'il devait faire. Oui, tu partais les enfants avec, entre leurs mères. Mais pour que toi, tu passes devant eux. Ne reste plus derrière pour dire, lui-même arrive derrière. Avant, il a dit, moi, dis-lui que moi-même, j'arrive derrière. Mais elle a compris qu'il ne devait plus arriver derrière, mais il devait arriver devant. Et il a pris les devant. Lui-même passa devant eux. Et il se prosterna en terre sept fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Alléluia. Il a compris qu'il devait s'humilier devant son frère. Il devait se prosterner devant son frère pour obtenir la faveur et la réconciliation, pour obtenir le pardon de son frère.
Il faut qu'il se prosterne dans la poussière. Et combien de fois? 7 fois. Il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas pris le temps de prier sérieusement. Parce que quand tu pries, Dieu te dit ce que tu dois faire. Dieu te dit pas où tu dois marcher. C'est pour cela qu'il est nécessaire de joindre l'acte à la prière. Ne prie pas pour rester les bras croisés, mais quand tu pries, ouvre tes oreilles pour écouter ce que Dieu te dira en retour. Amen. Alléluia. Et agis selon ce que Dieu dit. Verset 4. Et Saül courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Et Saül levant les yeux, vit les femmes et les enfants et dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Alléluia. Amen. Si vous lisez la suite, vous verrez que c'est très, très, très merveilleux. Il a compris que lui-même devait passer devant toute l'armée qui l'accompagnait. Et il a rempli le devoir qu'il devait remplir. Le militaire. Il a été orgueilleux parce qu'il avait arraché à son frère son droit d'aînesse. Il a été orgueilleux parce qu'il a réussi à voler ses bénédictions. Et il reviendrait le même orgueil. Mais Dieu lui a dit, dépoute ton orgueil. C'est pour cela que son nom a été changé. L'orgueil qui était en lui a été enlevé. Amen. Alléluia. Amen. Le manque de respect à l'aîné, au supérieur, a été enlevé. Il y en a qui n'ont pas de respect pour les supérieurs. N'ont pas de respect pour les aînés. Allez, dites-lui que c'est moi, Jacob. Il a quand même dit, dites à mon Seigneur Esaü, que son serviteur, ceci, cela. Mais ce n'était pas ça. Ça, c'était l'humilité de sa façade. La vraie humilité consiste en l'acte que tu poses, en te rabaissant devant cette personne. Et il s'est rabaissé devant lui, il s'est humilié. Il s'est posé. Donc, il a vu, et ça lui venait, il a dit, voilà mon Seigneur qui arrive. Il s'est prosterné. Une fois, il s'est levé, il a avancé. Il s'est prosterné 2 fois. Il s'est levé et avancé 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et alors, son frère était à son niveau. Son frère a couru et l'a embrassé. Alléluia. Amen. Son frère l'a embrassé. C'est pour dire quoi? C'est fini la colère. Amen. Je te pardonne. Amen. Vivons en paix. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas vers ton ennemi pour demander la paix, et que l'ennemi ne fait pas un geste pour te dire que c'est fini, c'est qu'il y a problème. Hein? Mon frère, je m'avais te dire que lorsque ton frère vient auprès de toi, te demander pardon parce qu'il t'avait offensé, fais un geste envers lui pour lui dire, mon frère, ma soeur, je t'ai pardonné du fond de cœur. Alléluia. Amen. Et si tu devais l'embrasser comme Esaü avait embrassé Jacob, ne le fais pas pour le faire, mais fais-le du fond de ton cœur pour dire, mon frère, ma soeur bien-aimée, je t'ai pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il y a de la nourriture, sers la nourriture, sers le frère, sers toi-même et mangez ensemble. Alléluia. Amen. Pour dire, mon frère, je t'ai pardonné, ma soeur t'ai pardonné. Soyons comme nous étions avant. Notre amitié, notre fraternité continue. C'est ça la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus chiens et chats. Les chrétiens se poursuivent. Et les païens se moquent de nous. Qu'ils ne soient pas ainsi parmi nous. Amen. Qu'ils ne soient pas ainsi parmi nous. Amen. Vous savez, j'ai l'habitude de donner un témoignage. De dire ceci avec assurance. Mais à un moment, je m'étais arrêté pour dire, est-ce que je peux encore dire ça? Est-ce que je peux le dire? C'est-à-dire que je disais toujours que lorsque nous sommes dans nos familles et qu'il y a la fête, on mange, on boit, surtout la boisson. Quand tu m'étais levé, lorsque nous sommes entre amis, même en famille, tu te lèves avec ta bouteille ou ton verre. Parce que tu te dis, ah, on ne sait jamais. Mais en Christ, lorsque nous sommes en frère dans la foi, tu peux laisser ta bouteille, tu peux laisser ton verre, tu vas, tu reviens, tu reprends,
tu bois, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je n'ai plus le courage de dire cela parce que j'ai appris des témoignages horribles où ce ne sont pas de seuls chrétiens, mais des hommes de Dieu qui s'empoisonnent. Et j'ai écouté ce témoignage l'autre jour encore. Ce n'est pas aujourd'hui, ça a duré. Il y avait une fête où les hommes de Dieu étaient là. Voilà comment une soi-disant prophétesse va empoisonner une maman, la maman, le serviteur de Dieu. Oh, quelle horreur! C'est affreux! Bien-aimés, nous sommes des disciples de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas des amis d'église. Sois chrétien véritable. Amen. Es-tu né de nouveau? Ton cœur a été transformé par le sang de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit habite-t-il en toi? La méfiance ne doit pas exister entre les chrétiens. Mon frère, permets que quand je viens chez toi, tu sois à l'aise. Amen. Quand tu me sers, je puisse manger avec assurance. Amen. Mais du moment où je dois me méfier de toi parce que je me dis, hé, Dieu seul connaît les cœurs. Oh. C'est qui a problème? C'est qui a problème? Bien-aimé, soyons de vrais disciples de Jésus-Christ. Amen. Aimons-nous. Non seulement en parole, mais en action. Amen. Que notre amour soit un amour véritable. Amen. Venant d'un cœur sincère. Pour que nous puissions répandre le royaume des cieux sur terre. Amen. Pour faire rentrer les inconvertis dans ce royaume. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Ce matin, tu as écouté beaucoup de choses. Tu as entendu beaucoup de choses. Surtout sur la prière. C'est pourquoi ce matin, avant de partir ici, là, nous allons commencer à prendre la prière. Nous allons laisser la prière de 2022. Nouvelle prière de 2023. Nouvelle prière de 2023. C'est la prière de Jacob à Jabok. Amen. Prière de Jacob à Jabok. Toute la nuit, sans repos, pour recevoir la bénédiction. Alléluia. Amen. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Amen. Si tu es prêt, lève-toi comme un soldat. Lève-toi comme un soldat. Alléluia. Amen. Je suis soldat dans cette armée. Je suis soldat dans cette armée. Je suis soldat dans cette armée. Je suis soldat dans l'armée de Jésus-Christ. Je suis soldat dans cette armée. Je suis soldat dans cette armée. Je suis soldat dans cette armée. Amen. Nous allons prier par la prière. Amen. C'est pourquoi je demande ce matin
Veux-tu lever des prix de prière sur cette assemblée au nom de Jésus? Bâtis-les dans cette puissance. Car tout à l'heure, nous allons rentrer dans la prière. Les montagnes vont se déplacer. Tout temps que tu n'as pas planté sera déraciné. Les forteresses seront renversées. Et les hôtels détruits. Ton nom sera glorifié. Merci parce que tu l'as déjà accompli. C'est de plus prendre contrôle et manifeste ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. On ne va pas remercier le Seigneur, on ne va pas remercier le Seigneur, parce que si tu es soldat dans l'armée de Christ, tu es rentré dans cette armée, c'est pour prier.